Salut, c'est Romain pour vous parler de Cybet. Le FBI a piraté une centaine de serveurs d'organisations américaines. C'est parce que des hackers chinois avaient déjà piraté beaucoup de ces serveurs. Et si vous ne voyez pas trop le lien, eh bien on va expliquer pourquoi les Américains se sont auto-piratés. Tout vient de la vulnérabilité sur les serveurs Microsoft Exchange, dont je vous ai parlé il y a un mois. Rappelez-vous, cette vulnérabilité, elle permettait de pirater des serveurs de mail qui étaient exposés sur Internet. Et au moment où on l'a découverte, elle était déjà utilisée par des groupes de hackers chinois. Eh bien, ce mercredi, le ministère de la Justice américain a annoncé que le FBI avait demandé un mandat de perquisition pour pirater les serveurs des entreprises américaines. Alors, Pourquoi s'auto-pirater? Eh bien, le but était de prendre le contrôle de plusieurs centaines de serveurs vulnérables et de chercher si les hackers du groupe Hafnium, le groupe de hackers chinois, ont déjà pris le contrôle de ces serveurs. Si oui, le FBI a collecté des preuves et a supprimé le fichier qui permettait aux hackers de contrôler l'ordinateur à distance. En revanche, le FBI n'avait pas le droit de sécuriser les serveurs, ni d'alerter la presse ou même de prévenir les propriétaires des serveurs, pour ne pas risquer de mettre en danger l'opération. Du coup, ça n'empêche pas les hackers de revenir en repiratant les mêmes serveurs. Et pourtant, on ne sait pas si le FBI est repassé plusieurs fois sur les mêmes serveurs pour vérifier qu'entre-temps, des hackers de Hafnium ou d'un autre groupe ne sont pas revenus. Dans tous les cas, ça a un peu bloqué les opérations du groupe Hafnium, vu que ça les a empêchés de prendre contrôle d'un grand nombre de serveurs en même temps. Dans tous les cas, c'est super intéressant parce que c'est la première fois qu'on voit une opération de cette taille de piratage, mais à des fins de défense. En particulier, ce mandat de perquisition, c'est quelque chose de vraiment nouveau et qui ouvre la porte à des moyens de défense cyber complètement nouveaux.